La publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes est obligatoire pour les associations et les fondations lorsque le montant total des dons et ou des subventions atteint au cours de l'exercice comptable 153 000 euros. Cette publication est obligatoire pour tous les fonds de dotation. Cette obligation est née de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour qu'ils puissent avoir accès aux comptes des structures subventionnées. Le dépôt des documents s'effectue sur le site de l'ADILA qui gère une page dédiée du journal officiel pour les associations, les fondations et les fonds de dotation. Le dépôt et la publication s'effectuent exclusivement par voie électronique. La loi prévoit le dépôt des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. En pratique, le rapport du commissaire aux comptes, qui contient les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, permet de remplir l'obligation. Attention, ni le rapport sur les conventions réglementées, ni le détail des comptes, ni le rapport de gestion ne sont à fournir. Ils doivent être déposés dans les 3 mois suivant la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant tel que défini dans les statuts, la plupart du temps l'Assemblée générale. Le dépôt des comptes annuels est gratuit depuis le 1er janvier 2020. À noter, la loi du 24 août 2021 a instauré une amende forfaitaire de 9 000 euros en cas de non-respect de l'obligation, mais uniquement pour les associations percevant plus de 153 000 euros de subventions.